de Luxe Paris, Made in Paris. David Bebé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Dayuse.com, un site de réservation de chambres d'hôtel à la journée. Fondé en 2010, vous venez de faire une importante levée de fonds. On va en reparler dans un instant. L'idée s'est développée. Vous-même, vous étiez hôtelier. Hein, vous avez travaillé dans l'hôtellerie. Donc, vous aviez pu observer un petit peu ce qui se passait. Donc, en 2010, vous avez dit, quand même, il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est 60. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ouais. C'est combien de revenus en moins, finalement, pour un hôtel? Alors, nous, on peut générer 10% de revenus additionnels grâce à l'usage de chambres pendant quelques heures en journée. C'était finalement un usage qui était inexploité par les grandes centrales de réservation. Comme mais est-ce que c'était inexploité par les hôtels tout court? Non, les hôtels l'ont toujours fait. Simplement, il n'y avait pas de système qui permettait finalement d'industrialiser un service comme celui-là. Ce qui fait que les hôteliers le faisaient au cas par cas à la demande des clients qui devaient passer par. Ils ne communiquaient pas dessus. Finalement, non. Si on leur demandait, on pouvait le faire, mais exactement. Ils ne communiquaient aucunement dessus. Absolument, c'est ça. Alors initialement, c'est venu avant tout des voyageurs en transit qui souhaitaient, dans les zones d'aéroport ou dans les zones de gare, trouver des hôtels pour quelques heures, pour des pauses repos ou alors pour préparer un rendez-vous. Un transit entre deux destinations. Et finalement, on a découvert au travers de mon passage dans l'hôtellerie, j'ai pu découvrir qu'il y avait d'autres usages qui pouvaient être liés à l'usage de chambres en journée, notamment pour des couples également, mais aussi pour des virées shopping entre amis, etc. Oui, parce qu'on rappelle quand même que vous êtes passé par l'hôtel Amour qui porte bien son nom à Paris. C'est peut-être ça aussi. D'ailleurs c'est lui-même qui l'avait mis en pratique. Exactement. Cette possibilité. Là, il y avait un petit aspect un petit peu coquin. Mais effectivement, ce que vous dites, ce n'est pas seulement cette clientèle-là. Donc aujourd'hui, vous avez organisé tout ceci, tellement bien organisé que ça ne s'arrête pas à la France. Vous êtes présent dans 14 pays. On est présent dans 14 pays. On va en ouvrir 15 nouveaux en 2016, dont des pays beaucoup plus lointains que l'Europe. On a déjà une présence depuis 2 ans à New York. On vient d'ouvrir également un bureau à Sao Paulo et on ouvre. Mais parce que ce genre de service n'existait pas, par exemple, à New York? Non, finalement, je vous dis, c'était complètement délaissé par les grandes centrales de réservation comme Booking ou Expedia. Et volontairement ou involontairement, je pense qu'en fait, ils n'avaient pas mesuré le potentiel de marché qui pouvait être derrière cet usage. Et finalement, nous, quand on a commencé tout petit avec une dizaine de partenaires hôteliers qui nous ont fait confiance. Et puis finalement, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une grosse demande. 2000 hôtels, hein, à peu près. 2000 hôtels à travers aujourd'hui. Le monde. Alors justement, quel genre d'hôtels? Est-ce que ce sont des indépendants qui vraiment ont besoin de remplir de chiffres d'affaires? Est-ce que ce sont des chaînes? Est-ce que c'est plus du tourisme d'affaires, plus du loisir? Quel genre d'hôtels? Alors ça dépend des marchés. On va retrouver une clientèle qui va être très business sur les zones anglo-saxonnes comme les États-Unis ou l'Angleterre. Sur des pays plus latins, on va avoir un double usage qui va être à la fois du voyageur en transit, de l'homme d'affaires, mais aussi des couples qui veulent trouver l'exotisme d'une chambre d'hôtel pour pimenter leur vie de couple. Finalement, on travaille aussi bien avec des groupes indépendants, enfin avec des hôtels indépendants, qu'avec des groupes hôteliers. Finalement, aujourd'hui, l'hôtellerie subit une très grosse baisse de fréquentation qui est liée principalement au Airbnb et autres sites collaboratifs. Et finalement, les hôteliers cherchent partout les moyens à rentabiliser l'affaire. Est-ce que vous faites du 2 étoiles au palace? Est-ce que c'est plutôt... C'est exactement ça. En fait, on a des gammes qui sont complètement diverses. Finalement, il faut correspondre à tous les besoins et à toutes les typologies de clients. Vous avez même des palaces? Oui, on a même des palaces. On a beaucoup de 5 étoiles qui sont sur la plateforme. Et finalement, grâce à Dayuse, vous pouvez vous offrir un 5 étoiles au prix d'un 2 étoiles pour une nuitée. Ah oui, véritablement. Ouais. C'est ce rapport-là, le prix de quelques heures à la journée par rapport à une nuit? Il y a une vraie différence de prix. Aujourd'hui, nous, on est sur une différence de prix en moyenne de 50% par rapport à un tarif de nuitée. Donc effectivement, c'est pour le grand public, c'est la possibilité d'essayer un très bel hôtel pendant 4 ou 5 heures au prix finalement d'un hôtel qui serait moins haut de gamme. Question très pratique justement, pour ces hôtels, il y a quand même une organisation à mettre en place parce que si vraiment ça marche si bien, on met quelqu'un en journée, on met quelqu'un la nuit. Question nettoyage, ils ont leurs femmes de chambre qui sont présentes toute la journée dans leurs hôtels, donc nous on n'intervient pas du tout pour chambouler finalement l'organisation établie de l'hôtel avec ses femmes de chambre. On se greffe sur le départ des femmes de chambre. Imaginez l'hôtel va avoir ses femmes de chambre qui partent à 18h, on sait que le Dayuse pourra aller jusqu'à 17h de manière à ce que véritablement l'hôtelier puisse augmenter son taux d'occupation. Des hôtels même à Londres ou à New York, même à Paris, qui ont un taux d'occupation à 100%, ils auraient tendance à penser qu'ils ne peuvent pas augmenter ce taux d'occupation. Or avec Dayuse, ils ont la possibilité de dépasser les 100% de taux d'occupation et de passer à 105-110%.
Quel est votre business model? Vous prenez une commission, tout simplement? Exactement. En fait, on prend une commission sur chaque réservation. Donc, les hôteliers sont gagnants. Un hôtelier va commencer à payer notre société, la société Dayuse, à partir du moment où il aura déjà gagné de l'argent. Donc, c'est tout bénéf pour l'hôtelier, puisqu'il ne prend aucun risque, finalement, sur cet usage. Et pour les consommateurs, vous disiez, pour les clients, bah, l'intérêt, c'est qu'on a forcément des prix moins chers. Vous continuez à vous développer aujourd'hui. Combien de salariés chez Dayuse? On a 35 salariés chez Dayuse. On va bien sûr gérer une hypercroissance, donc on doit doubler nos effectifs, que ce soit sur le marché, enfin sur le bureau parisien, mais aussi sur le bureau new-yorkais ou de Sao Paulo. On a forcément besoin effectivement d'embaucher beaucoup de gens. Donc on crée de l'emploi en plus, et c'est vrai que c'est assez attractif. Finalement, la vraie réponse de Dayuse, c'est de payer le juste prix pour la juste consommation. Les hôteliers finalement gagnent plus d'argent, le consommateur va payer le juste prix, et nous, ça nous permet d'embaucher et de créer une société internationale. Alors, on va voir sur les recrutements dans un instant, parce que c'est le moment d'en parler, hein, sur BFM Business. Mais justement, cette grosse levée de fonds, énorme levée de fonds, je voudrais dire 15 millions d'euros, comment avez-vous réussi à la faire? Auprès de qui? Peut-être première question, et puis après, on va voir ce que vous allez en faire, David Lebel. Déjà, c'est un très gros travail. C'est un très gros travail de toute l'équipe de Dayuse, de tous mes collaborateurs, de tous les premiers associés qu'on fait confiance à la société. Et je dois leur tirer vraiment mon chapeau, un grand coup de chapeau, parce que ça a été un gros travail de 5 années. Les deux gros fonds d'investissement qui nous accompagnent, c'est Idinvest Partner et Partech Venture. On a aussi des business angels très prestigieux comme Paul Dubrulle, qui est le cofondateur du groupe Accor, ou Charles Petrucelli, qui est l'ancien patron d'American Express Travel. Et effectivement, ces personnes ont contribué au démarrage de Dayuse, à son explosion à l'international. Et aujourd'hui, on a eu la chance effectivement de faire une très grosse levée de fonds qui nous permet d'embaucher des talents, de développer le business, mais surtout de communiquer sur ce nouvel usage qui est encore inconnu du grand public. Parce que c'est énorme quand même, 15 millions d'euros par rapport à... On regarde. Vous communiquez sur votre chiffre d'affaires, il est de quel ordre aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, sur l'année 2015, on a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ça va être très exponentiel sur les années futures. Ouais, donc c'est pour ça que je vous demandais cette levée de fonds. Donc, vous le disiez, justement, les postes à pourvoir aujourd'hui, vous allez doubler pratiquement de... On va doubler nos effectifs, on va gérer une hypercroissance et donc embaucher 4 personnes par mois pour atteindre 80 collaborateurs sur l'ensemble de nos bureaux à la fin d'année. Alors ça va passer par des embauches de commerciaux essentiellement, mais on va aussi embaucher finalement des gens dans la communication, dans le marketing, des data scientists, des CTO, des personnes très spécialisées sur le digital pour pouvoir proposer aux hôteliers toujours des nouveaux services additionnels à la chambre d'hôtel en journée. Alors vous le disiez, vous avez 3 bureaux, donc à Paris, aux États-Unis, à Sao Paulo. Exactement. Est-ce que vous embauchez aussi là-bas à l'étranger? Bien sûr, on embauche beaucoup là-bas. Alors c'est pas du tout les mêmes conditions d'embauche que la France. Parfois c'est plus favorable, parfois c'est plus difficile, mais on va aussi ouvrir un bureau en Asie, et donc courant d'année 2016, on devra aussi embaucher beaucoup de gens à Hong Kong. Et pourquoi Sao Paulo? Les États-Unis, bon, à vrai dire, on comprend assez facilement, mais le Brésil? Alors, en fait, j'avais un associé qui a passé quelques années à Sao Paulo, en fait, avant de créer Dayuse avec moi, Thibaut Dagrève, et il s'était rendu compte que finalement, il y avait une très grosse culture du Love Hotel au Brésil. La majorité des Love Hotels au Brésil ont été détruits, transformés en tout cas en boutique hôtel, en hôtel de charme, hôtel pour les touristes, dans la perspective des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde qui s'est passée l'année dernière. Finalement, toute cette clientèle qui allait dans les Love Hotels, aujourd'hui, ne ne trouve plus d'établissement pour pouvoir bénéficier d'une chambre pendant quelques heures en journée. Il faut savoir aussi que le Brésil et l'Argentine sont des marchés qui sont très intéressants pour nous parce que les jeunes restent très tardivement chez leurs parents. La religion catholique est très importante là-bas. Et donc du coup, ils ont beaucoup de mal, tant qu'ils ne sont pas mariés, à se retrouver à l'abri des regards dans un espace assez intime. Finalement, aujourd'hui, Dayuse va permettre de proposer une alternative au Love Hotel qui n'existe plus. Et donc d'aller dans des hôtels, 3, 4, 5, même 2 étoiles, pour pouvoir profiter d'un espace de chambre pendant quelques heures en journée. Parfait. C'est étonnant quand même de monter un business comme ça sur ces questions-là. Là, vous nous racontez de jolies choses, les jeunes qui ne peuvent pas se être tranquilles. Mais il y a toutes ces questions d'adultère aussi, j'imagine, qui se jouent là. Est-ce que vous y pensez ou finalement, vous êtes dans le business, on dit après tout, chacun fait ce qu'il veut, et qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, de toute façon, ça se ferait. On n'y pense pas forcément et pas directement. Nous, on est là pour proposer des chambres d'hôtel à la journée. Effectivement, il y a un usage qui peut se faire au travers de couples adultériens, mais ça n'est qu'une petite partie finalement de notre usage. On a beaucoup plus
de voyageurs en transit aujourd'hui ou de businessmen qui vont utiliser notre service. On a effectivement des... Est-ce que ça marche aussi pour de l'événementiel? Par exemple, on parlait tout à l'heure de défilé, mais est-ce que effectivement pour une séance photo, etc., certains hôtels le faisaient? Est-ce que du coup ça permet de développer ce côté-là aussi? Alors on organise énormément d'interviews, notamment pour des grandes majors de la musique qui ont finalement besoin d'une chambre d'hôtel pendant quelques heures pour une interview. On va avoir des showrooms, des présentations presse. On peut organiser différentes choses dans des chambres d'hôtel. L'idée, c'est aujourd'hui de payer le juste prix pour la juste consommation. Et avant l'existence de Dayuse, le consommateur, qu'il soit un particulier ou que ce soit une société, payait le prix fort d'une nuit entière, sauf qu'à 17h, il revenait à la réception et rendait sa clé. Il disait « je ne reviens pas dans l'hôtel ». Donc finalement, l'hôtelier avait sa chambre qui était vide pendant la nuit et le consommateur avait payé le prix fort alors qu'il aurait dû payer un prix considérablement réduit. David Levé, la suite, donc, c'est les recrutements, l'ouverture en Asie. Est-ce que le service, tout se passe par Internet, bien sûr. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça va évoluer, justement? Est-ce que vous faites des catégories ou pas? Alors, on va évoluer, effectivement. Notre créneau restera, bien sûr, les chambres d'hôtel à la journée, mais on va aussi travailler d'autres segments d'activité qui vont être les salles de réunion, les spas dans les hôtels, finalement, tout ce qui est d'usage de jour dans un hôtel. Par exemple, à Miami, on travaille déjà sur une offre pour permettre à des personnes qui vont loger dans un hôtel dans lequel il n'y a pas forcément d'infrastructure extérieure, donner la possibilité d'aller dans des hôtels très prestigieux, juste pour profiter de la piscine, pour profiter d'un DJ qui va faire un événement autour d'une piscine, autour d'un après-midi, profiter d'un terrain de tennis et pouvoir accéder aux infrastructures de l'hôtel en journée. C'est-à-dire que les hôtels vont aussi fractionner leurs propositions et leurs services? Absolument. Absolument. Aujourd'hui, nous, on essaye de révolutionner l'hôtellerie. L'hôtellerie subit effectivement toute l'économie collaborative. On voit très bien qu'ils subissent des très grosses pertes de fréquentation. Et aujourd'hui, nous, le pari, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux hôteliers et de leur reproposer des nouveaux segments de clientèle, des nouveaux usages. Donc, alors que c'est vrai que les grands hôtels, en général, on n'ouvre pas. Au départ, ils avaient du mal à ouvrir le spa à l'extérieur. Ils se sont aperçus qu'il fallait le faire. Oui. Ils vont ouvrir leur piscine aussi. C'est plutôt, effectivement, une bonne chose pour nous. Vous visez combien d'hôtels? 2000, c'est déjà pas mal. Le 2000, step d'après, c'est déjà pas mal. Fin 2016, on en aura 5000. Et à terme, d'ici 5 ans, on devrait avoir 30 000 hôtels à travers le monde et capter plus de 2 millions de clients. Et voilà, ça s'appelle Dayuse. Dayuse qui vient de faire une levée de fonds de 15 millions d'euros. David Levé, merci. Merci à vous pour votre invitation.